C'est ça, de c'est Dieu. que le pardon se passe à deux niveaux. Il y a le niveau conscient qui est le tien et le niveau inconscient qui est celui du Saint-Esprit. Mais c'est toi qui es le boss, c'est toi qui décides. Donc tant que tu n'as pas lâché au niveau conscient, au niveau inconscient, il ne va pas marcher. Donc il te ramène le dossier, il dit, boss, on fait quoi de celui-ci? Il te le remet sur la table, c'est à toi de décider, on pardonne ou bien on le conserve encore en prison. C'est ça qui s'est Oui. passé. Donc lui, il voit l'intention, il te dit, bon, si tu veux qu'on nettoie des archives, voici une instance qui traîne depuis qu'on n'a pas réglé. Réglons ça. Effectivement. Et tu as Effectivement. libéré. Ça, c'est beau. C'est ce qui fait d'abord comprendre tout le principe. Je vais te, comme tu es informaticien, je vais te parler un langage informatique. Le plus important, ce n'est pas ce que tu fais. Le plus important, c'est les erreurs que tu corriges. Tu vois? Donc, tu as un catalogue d'erreurs de croyances, de fausses croyances que tu as dans ton esprit, qui doivent être traitées une après l'autre. Et ces fausses croyances, tant que tu ne les as pas pardonnées, elles sont reportées de vie en vie, jusqu'au jour où tu vas toutes les pardonner. C'est-à-dire que tu vas les déclarer fausses. Tu vois? Donc, les épreuves que tu rencontres sont des occasions qui te sont données pour corriger certaines erreurs que tu croyais avoir oubliées dans ton inconscient. Donc, chacune de tes vies est comme un dossier dans un ordinateur. Et la conscience parcourt les dossiers un après l'autre pour les mettre sur la table que je peux appeler l'esprit conscient. Et dans chacun de ces dossiers, tu as des archives que tu n'as pas résolues. Mais comme elles se ressemblent, ces archives, parce que c'est de porter de dossier en dossier, quand une Oui. erreur est corrigée, elle est corrigée dans tous les dossiers où elle a été apparue. Quand tu te montres prêt à vouloir pardonner dans ces erreurs, le Saint-Esprit va dans le dossier, il les remet sur ta table, l'esprit conscient, et il dit à la conscience, on fait comment? Tu pardonnes ou bien on remet encore à la cave, on remet aux archives. Tu vois? Donc, tu n'as même pas trop à te demander si tu es conscient du passé, du futur, ce n'est pas ton rôle. Ton rôle, c'est tout simplement que quand une erreur se présente, c'est que le Saint-Esprit te dit, désiré, voici un cas que tu n'as pas encore pardonné. On fait comment? Tu dis, c'est bon, je pardonne. Il barre ça dans le dossier et il barre ça dans tous les dossiers où l'erreur était arrivée. Parce que la même erreur peut arriver dans plusieurs dossiers. Ça s'arrête là. Est-ce que l'erreur vient du passé ou du futur? Ce n'est pas ton problème. En pardonnant maintenant, toutes les occurrences d'erreur dans toutes tes vies seront corrigées. Oui, Freddy, Oui. ça j'ai compris. Oui. J'ai compris cela. Mais pour moi, j'associais toujours le pardon quand je suis conscient de quelque chose. Oui. Parce que je ne peux pas pardonner de Être quelque conscient chose de que quelque je ne... chose, désiré, c'est que ça vient d'un dossier, d'une ville que tu ne connais même pas. Ça monte sur ton bureau qu'on appelle l'esprit conscient. La conscience est le boss. Il est assis sur un bureau qu'on appelle l'esprit conscient. L'esprit inconscient est le dossier, disque dur des archives, classé en dossier. Maintenant, le Saint-Esprit et l'ego sont des agents qui vont dans les dossiers, prendre les dossiers et te mettre sur la table pour que tu décides de pardonner ou de juger. Peu importe d'où le dossier vient, tout ton travail, ce n'est que de pardonner ce que tu as devant toi maintenant. Et ils vont te faire monter le dossier à mesure que le besoin se fait sentir. Tu n'as pas à réfléchir plus que ça. Donc, si je comprends, peut-être qu'on dit la même chose. Donc, je dois pardonner ce qui est montré consciemment Maintenant, c'est dans la tout. conscience présente C'est maintenant. tout. C'est tout. Oui, Désiré, je crois que c'est ça que tu veux savoir. Le pardon doit Ouais. se faire consciemment. Oui, Conscient, c'est ça. voilà. Parce que Parce que si c'est tu n'es pas conscient, tu ne peux pas pardonner. ça. C'est ça, justement, je voulais dire. Ce qui n'est pas remonté n'est Oui. pas remonté à dessein parce que tu n'es pas encore capable de gérer la chose. Tu n'es Oui. pas encore capable, tu auras peur, tu ne pourras pas gérer, tu ne peux que renvoyer ça aux archives. Donc, lui, il connaît ce que tu peux déjà lâcher, c'est ce qu'il te propose. Et tu pardonnes cela, OK. puisqu'il connaît tout le scénario, il sait quand il va t'envoyer les dossiers durs pour que tu les pardonnes aussi. Comme Marie lui dit qu'elle a eu un dossier dur hier, je ne sais pas où c'est aujourd'hui. Qu'elle avait même refoulé très loin, Aujourd'hui. c'est remonté. C'est ça. Donc, en ce moment, je m'occupe seulement du présent, De de ce qui ce est qui là, est de ce là qui est actuellement. monté, de ce qui Oui. monte dans ton esprit. Ce n'est que de ça que tu dois t'occuper. Oui. Tu n'as pas d'effort à aller faire pour Exact. fouiller les archives. Tu n'as pas ce pouvoir. Les archives te sont présentées. Les épreuves sont des erreurs que tu avais commises et que tu n'avais pas liquidées, que le Saint-Esprit te représente pour que tu les pardonnes. Exactement. Parce que je me suis dit que si je dois me rappeler de quelque chose que je ne Non, me rappelle plus, non.
ça va être très difficile pour Et puis, il faut savoir qu'un seul pardon corrige plusieurs erreurs semblables, qui lui étaient semblables, et dans presque dans toute ta vie, y compris la vie actuelle. Par exemple, tu croyais, ma foi, je ne sais pas moi, dans toutes les vies, que le corps est réel. Quand tu pardonnes maintenant, c'est pardonné dans toutes les autres vies. Tu croyais que la calomnie, ou bien la colère, ou bien la vengeance est réelle. Quand tu pardonnes maintenant, tous les cas de vengeance que tu avais en instance sont corrigés. Exactement. Donc, c'est ça que dans le Dégaïe de Nard, il y a un chapitre qui dit « C'est dans cette vie-ci, idiot ». Il a un titre qui est comme ça dans un de ses livres, que c'est dans cette vie-ci, idiot. Exactement. Ça se passe maintenant. Donc, si un dossier n'est pas monté maintenant, que ça va remonter plus tard, tu ne peux pas gérer ça. Tu ne peux pas, tu ne connais pas. Tu avais refoulé ça tel que tu ne peux pas t'en souvenir toi-même. C'est ça, parce que je dis, je ne veux plus revenir. Quand tu le dis, c'est déjà une bonne déclaration, une bonne intention. Maintenant, lui, il connaît si l'intention est réaliste. Si l'intention n'est pas réaliste, il va pas. Parce que ça peut, tu sais, parfois on peut dire je veux, alors qu'on a peur de vouloir, de recevoir. Oui. Si la peur pourra émerger de ce qu'il va te donner, il ne te le donne pas. Il ne te donnera jamais rien qui peut augmenter ta peur. Son but est de faire la peur dans ton cœur, non pas de l'augmenter. Donc c'est notre peur inconsciente qui fait que on doit différer certains cas, certaines situations qu'on ne peut pas encore, gérer. Et il dit que toutes ces peurs remontent à la peur inconsciente de Dieu. Elles sont seulement masquées par toutes les peurs banales qu'on fabrique en cours, là, mais c'est la peur de Dieu qui sous-tend toutes ces peurs-là. La peur, surtout du jugement. C'est ça? Ben, j'ai parlé avec un gars qui me dit que mais, tu veux dire que Dieu est bon et mais il n'est pas juste. Je dis, mais que Dieu a dit qu'il va juger tout le monde. Je dis, non, reste tranquille. Je dis, moi, j'ai des enfants ici, mais je ne peux pas condamner un et puis et libérer l'autre. Je dis, moi, je ne connais pas ça. Si moi-même, je sais que ça, ce n'est pas bien. Je dis, maintenant, il faut voir Dieu. Est-ce que lui, il ne connaît pas mieux que moi? A-t-on déjà vu un père qui est magistrat mettre son enfant en prison? Un magistrat peut-il juger son enfant et le mettre en prison, ou bien sa femme? Tu peux imaginer ça? Un magistrat mettre son enfant en prison lui-même ou sa femme parce que, d'ailleurs, on dit à un magistrat, juge ton enfant, il a commis un crime et décide. Non. Il va chercher tous les moyens pour l'excuser. Il va lui trouver les circonstances atténuantes. Oui. Donc, un père qui veut mettre son enfant en prison, il faut se poser des questions. De quel amour il parle? Oui. Je ne sais pas si tu as déjà rencontré des gens pareils. Il t'envoie à te que tu acceptes que la Bible, c'est la parole de Dieu, que tu acceptes que Jésus, c'est l'enfant, c'est le fils unique de Dieu, que tu acceptes. Je dis, mais pourquoi je dois accepter ce que toi tu dis là? Que non, il y en a que tu es qui chrétien, ne veut pas la Bible. Voilà. Et ils veulent d'abord que toi, quand tu acceptes tout ça maintenant, ils disent que moi, Jésus a dit, la Bible a dit. Je dis, mais qu'est-ce que ça veut dire tout ça là? Que non, mais tu es chrétien, non? Je dis, je ne suis pas chrétien, je suis bouddhiste. Ah! Que tu utilises le. Tu es bouddhiste maintenant? Je dis oui, oui. Après, il dit que qu'est-ce que le bouddhisme dit? Je dis, ah, moi, je ne sais pas ce qu'ils disent là-bas. Hein. Parce que les musulmans aussi disent comme ça. Donc, pour lui dire que moi, je suis partout. Je lui dis ça. Je dis, quand tu parles de bouddhistes, moi, je suis bouddhiste. Quand tu parles de musulmans, moi, je suis musulman. Quand tu parles de chrétiens, je suis chrétien. Je dis donc, faut pas te fier seulement à dire que moi, si tu es chrétien, j'ai dit non, mais je suis bouddhiste aussi. Il y a vraiment ce truc-là que je disais ce matin, le fait de rendre une idée réelle. C'est un secret qui nous a longtemps été caché. Dès que c'est réel, ça entre dans tes archives. Ça entre dans la liste de tes erreurs. C'est terrible. C'est pour ça que la confession que nous faisons souvent, c'est une confession pour rendre des choses réelles. On dit déclare, crois-le. Et quand tu le crois, c'est consigné. Claro. Oui. Parce que les idées ne quittent pas l'esprit qui les a pensées. Quand tu as la pensée réelle, elle reste gravée dans ton esprit. Jusqu'à ce que tu demandes au Saint-Esprit. Et le défi, c'est que tu ne peux même pas défaire cet esprit, cette pensée toi-même. Tu peux seulement graver, mais tu ne peux pas effacer. C'est le Saint-Esprit seul qui peut effacer. Il faut juste dire à la personne que cette pensée, je ne la rends pas réelle dans mon esprit.
Oui, intérieurement. C'est ça. Intérieurement, oui. Je dis que cette pensée n'est pas réelle, mais pour lui dire quelque chose, je lui dis que moi, les symboles ne m'intéressent plus. C'est ça. Dissocier même, à la limite, nous sommes appelés à dissocier la pensée de la parole. Tu lui dis ce qu'il veut entendre, mais dans ton esprit, tu corriges. Et c'est ça. Tu corriges pour dire ça, je ne retiens pas ça comme étant une vérité pour moi.